Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de la FAQ, réponse de ma foire aux questions. Donc tant attendu. Donc je ne sais pas si vous voyez, enfin si je pense que vous voyez, je me suis lâché les cheveux aujourd'hui. Donc si vous me suivez sur Facebook, vous savez que je l'ai fait également hier. Donc voilà, c'est pour tous vos petits commentaires où vous m'avez dit que ça m'allait bien de me lâcher les cheveux. Donc voilà. Depuis hier, je me suis un peu lancée. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je commence tout de suite. J'ai noté mes réponses, enfin pas mes réponses, j'ai noté mes questions sur mon téléphone. Donc, je commence. Alors. Première question, enfin c'est pas une question. On m'a demandé de montrer quelles sont les couleurs déconseillées de fond de teint et de fard à paupières pour les peaux marron et celles que je conseille. Alors moi en fait pour la question du fond de teint, il n'y a pas vraiment de couleur que je conseille ou que je déconseille. Ce que je préconise de faire, c'est de toujours d'aller en magasin et de tester les produits. À savoir que parfois pour les peaux noires, on a tendance à penser que forcément elles tirent vers le jaune alors qu'il y en a qui tirent vers le rose. Je prends mon exemple chez MAC. Chez MAC, j'utilise le Face and Body en C6. Donc, dans le Face and Body, c'est pas NC ou NW. Mais, donc voilà, les C, c'est pour ceux qui ont la peau qui tire vers le jaune. Et les N, je crois, c'est pour ceux qui tirent, enfin, qui ont la peau qui tire vers le rose. Et en fait, par exemple, moi, je suis en C6. Mais en hiver, où je suis légèrement plus claire, le N5 me va très bien. Par exemple, vous voyez, selon... Enfin, ça dépend vraiment. Même pour mon correcteur, mon anti-cerne, je suis en NC45. Mais je sais qu'il y a un NW qui me va limite, quoi. Genre, je le mets en hiver, ça passe nickel, sans souci. Donc après, j'ai oublié, c'est le NW combien, mais voilà. Donc, ce que je conseille vraiment, c'est d'aller en magasin. Donc, chez MAC, je sais qu'ils font des essayages vraiment très bien. Ou si vous êtes maquillée, ils vous démaquillent une petite partie du visage pour vous essayer le fond de teint, etc. Donc, vraiment, en plus, ils vous laissent pas sur votre main, mais vraiment sur la joue, on peut voir, on peut beaucoup mieux voir. Donc, voilà. Je vous conseille vraiment. Je crois que j'ai taché ma robe. Bref. Je vous conseille vraiment de vous rediriger dans un magasin et de tester sur votre joue, sur votre cou, un fond de teint qui soit adapté et de préférence dans un magasin où il y aura une conseillère ou un conseiller qui pourra bien vous éclairer. Alors après, pour les fards à paupières, j'ai pas vraiment de fards à paupières type à conseiller pour les peaux noires. Moi, je sais que j'aime beaucoup les fards qui sont irisés, un peu du style dans les neutres. Alors j'ai une palette sous la main, sans rien faire tomber, j'ai une petite palette sous la main, c'est la 28 de chez BH Cosmetics, qui est comme ça, où il y a des fards mats, des fards irisés. Donc pour les peaux noires, j'aime beaucoup les fards dans les tons dorés, dans les tons bruns, irisés ou mat et tout. Mais en fait, toutes les couleurs d'ombre à paupières correspondent aux peaux noires. Surtout parce qu'en général, je dis bien, les peaux noires ont les yeux marrons. Marron foncé, etc. Donc après, je dis bien en général. Parce que bon, j'ai des cousines qui ont ma couleur de peau et qui ont les yeux bleus, verts ou gris. Donc voilà. Mais en général, les peaux noires ont les yeux marrons et tout correspond aux yeux marrons. Donc ensuite, c'est vraiment voir vous-même ce qui vous convient le mieux en fait. Il y a des filles par exemple qui font des cut crease trop magnifiques avec des couleurs genre néon ou bien des paillettes de ouf et tout. C'est magnifique, mais et même si ça me va, moi, j'oserais pas. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de votre personnalité, ce qui vous convient ou pas, etc. Donc voilà. Donc après, quel est ton type de peau? J'ai là une peau normale à tendance, pas tendance. J'ai une peau normale, mais qui est déshydratée, c'est-à-dire que
Dans un temps idéal, elle est normale. En hiver, je pèle. Et en été, je transpire comme un bœuf. Donc c'est très glamour. Là, en ce moment, je me sens super chic. Mais donc, voilà, j'ai une peau normale, à tendance déshydratée, une peau très 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 sensible, donc qui sera hyper ultra sensible au changement de température. Donc voilà. Quels sont tes produits soins de pharmacie fétiche? Je crois que j'ai pas de produits soins de pharmacie fétiche. Parce qu'en général, j'en prends pas. Je sais que j'aime bien le dentifrice émail dents, mais on le vend aussi en supermarché. Et puis bon, c'est du dentifrice. Et sinon, c'est tout. Mon produit soin de pharmacie fétiche, non, j'en ai pas. Quelles études fais-tu? Alors, je suis en deuxième année de licence d'économie. De quelle origine es-tu? Je viens de la Martinique. Quels sont tes rouges à lèvres MAC préférés? Donc, mes rouges à lèvres MAC préférés, j'en ai pas des masses, mais j'en ai qui sont sur ma wishlist. Donc, je sais qu'il y a Pink Nouveau, il y a Saint-Germain, il y a Jubilé. Et voilà. Donc, je ne les ai pas, mais c'est ceux que j'aimerais avoir. Quels sont tes films préférés? Alors, mes films préférés, c'est les films un peu du style des drames. J'aime bien les films dramatiques où on verra la nature humaine, la tristesse, enfin, voilà, des trucs hyper poignants, voilà. Seulement, comme je suis ultra sensible et que pour rien, je suis un saule pleureur, je les évite, ces films-là. Donc, on va dire mes films préférés top, c'est les drames, que je ne regarde pas parce que ça me pète le foie. Et il y a les comédies. J'aime les comédies romantiques et tout, La Proposition, etc. C'est top, top, top. J'aime trop ces films-là. Donc, voilà. Mais si je devais quand même donner des films préférés, j'aime toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. J'aime. Donc, dans mes films préférés, la trilogie du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas combien de fois je les ai vus. Le livre, hein, qui est genre un pavé, j'ai dû le lire une bonne dizaine de fois. Alors qu'il fait genre dans les mille et quelques pages, mais je kiffe grave. Comme film, j'aime aussi Un long dimanche de fiançailles. De mes films préférés, ouais, Pretty Woman. C'est pas dans le même registre, mais j'aime aussi. Et voilà, je crois que j'en ai pas d'autres qui me viennent sur le coup. Quel style de musique écoutes-tu? Donc, moi, donc si vous avez vu mon premier tag, quel genre de fille es-tu? Vous savez que j'écoute tout le temps du gospel. Donc après, comme gospel, il y a différents types de gospel. Pour vous montrer un petit extrait, vite fait. Parce que souvent, on a l'impression que le gospel, c'est genre que Oh Happy Day. Et donc, un petit exemple de chanson que je kiffe grave du moment, c'est celle-là. Donc le gospel, voilà, c'est assez vaste. Il y a aussi des chansons de hip-hop que je kiffe grave. Aussi en termes de gospel, dans le gospel, des chansons qui ressemblent plus à Oh Happy Day aussi, bien évidemment. Et après, bon ben, à part les chansons de gospel, elles sont pas forcément dans mon MP3, mais il y a des chansons que je kiffe grave, d'Adèle, enfin, ouais, Adèle, j'aime beaucoup. Après, faut dire, j'ai été une grande fan de Fatal Bazooka, donc non, il n'a pas de nouvelles chansons ces derniers temps, mais pour moi, l'équivalent de Fatal Bazooka en anglais, c'est LMFAO. I'm sexy and I know it. Palalala, palalala. Et puis j'aime trop quand ils font wig, 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 wig. Enfin bon, voilà.
Yeah. Sorry for body rocking. Enfin bon voilà, j'aime bien les trucs un peu genre délire et tout. Donc voilà, je dirais que je kiffe grave, grave, grave Adèle. Elle a une trop jolie voix. Et puis, enfin voilà, j'ai pas d'autres exemples, mais ce serait ça. Ensuite, ensuite, ensuite. Conseilles-tu des produits Yves Rocher? Donc, oui. Je conseille leur poudre libre, la 00 Transparence, donc, que j'ai sous la main. Celle-là. Donc, que je trouve vraiment pas mal. Après, il y a des trucs que j'aime bien chez eux, mais. Enfin, c'est personnel. Hein. J'aime aussi bien le rouge à lèvres couleur nature, le numéro 3. Que j'ai dans ma vidéo, mon update de je me maquille et je suis en retard pour aller au travail. Donc voilà, voilà. Après, les produits que j'utilise pour ma peau et mes cheveux. Donc pour ma peau en général, pour tout vous dire, c'est pas que je m'en fiche, mais voilà, par exemple, il y a des box, on reçoit des produits pour la peau, pour les peaux mixtes ou bien pour les peaux sèches. Selon la période, ben, je vais utiliser ces crèmes-là, mais j'ai pas vraiment de produit type. Par exemple, en ce moment, j'utilise les produits là qu'on a reçus dans le truc Mineral Flowers Travel Kit Rosé Géranium pour les peaux mixtes. J'utilise ça quand ce sera terminé, j'utiliserai un autre produit, mais voilà quoi, sans plus. Et pour mes cheveux, ce sont les produits Garnier de l'huile d'avocat et beurre de karité. Et puis les produits naturels macadamia natural oil. Et pour quand je les lisse ou que je me fais des boucles et tout, etc. Le biosilk. Ensuite, ensuite, pour mes cheveux, quelle est ma coiffure préférée? Donc, je suis une obsédée du chignon. Le chignon, c'est genre trop génial. J'aime tous les chignons. Les chignons décoiffés, les chignons. Les chignons street, les chignons chic, les chignons glamour. Bref, du moment que c'est un chignon, c'est pour Céline. Donc voilà, je kiffe grave, 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 grave les chignons. Sinon, j'aime bien quand même les coiffures comme ça où je me lâche les cheveux. C'est juste que j'ai pas l'habitude et tout. Voilà, mais sinon, j'aime bien. Alors, dans quelle ville es-tu? Je suis à Paris. Donc, dans quelle région? Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, je suis dans le 13e arrondissement. Donc, ce n'était pas ça la question, mais c'est ce que je réponds. Comment entretiens-tu tes cheveux? Donc, j'ai ma routine capillaire. Donc, je t'invite à la regarder. Donc, après, il y a certaines questions qui ont été posées avant certaines vidéos. Donc, voilà. Je vous mettrai les liens en dessous, en barre d'infos. Donc, quelle est ta routine capillaire? Entre-temps, j'en ai fait une, donc je t'invite à la voir. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Nous feras-tu un tag boyfriend si t'en as un? Non, parce qu'il est assez timide, mon doudou. Donc, non, pour le moment, il ne se sent pas prêt à parler tout seul devant un appareil photo. Quelles études fais-tu? Donc, économie en deuxième année. Ensuite, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? J'ai commencé à me maquiller, je pense, quand j'étais en quatrième, mais c'était genre, je m'achetais des petits quads vite fait dans des boutiques à Fort-de-France, donc en Martinique. Et voilà, je me maquillais vite fait avec l'embout mousse pour aller au cinéma, ce qui était quand même assez rare parce que j'avais beaucoup d'activités. Donc le cinéma, c'était quoi? C'était peut-être 4 fois dans l'année. Donc, si on rajoute les anniversaires où j'avais pas forcément tout le temps le temps d'y aller, et puis les jours de l'an, à tout casser, je devais me maquiller 8 fois dans l'année, quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'est pas vraiment, vraiment se maquiller. Après, depuis quand je fais tout, genre le teint, les yeux, etc., ça doit faire 1 an. Es-tu pour le défrisage ou les cheveux naturels? Alors, je suis pour les cheveux en bonne santé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se défrisent les cheveux. Cheveux là.
Il y a des personnes qui se défrisent les cheveux, mais qui arrivent à se faire des soins et leurs cheveux ne sont pas abîmés. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des cheveux en bonne santé. Donc, que vous les ayez naturels ou défrisés, pour moi, le plus important, c'est qu'ils soient en bonne santé. Donc, si vous savez que vous aurez la patience en vous défrisant les cheveux, de faire des masques, de faire des soins, de faire attention aux pointes, à ceci, à cela, ben, défrisez-les. Et puis si vous pensez que non, pour moi je trouve que c'est toujours mieux d'avoir des cheveux en bonne santé. Après je dis ça, mais j'ai pas de difficulté de coiffage, même quand je laisse mes cheveux pas lissés, pas bouclés et qu'ils sont tout frisés, crépus naturellement. J'ai pas de problème pour les démêler, donc voilà, c'est que mon avis. Mais je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je suis juste pour les cheveux en bonne santé. Pourquoi je dis en bonne santé? Parce qu'il y a des personnes qui ont des cheveux naturels, mais qui ont des cheveux tellement, tellement crépus qu'elles n'arrivent pas à les démêler et que quand elles les démêlent, elles les cassent tout le temps, tout le temps. Donc des cheveux qui sont cassés en permanence, pour moi, ce n'est pas des cheveux en bonne santé. Et parfois, un léger assouplissement, donc pas un défrisage, mais parfois un léger assouplissement peut permettre de mieux démêler le cheveu. Et après, ben, comme il se casse moins, dans l'absolu, il est moins abîmé. As-tu un petit copain? Je n'ai pas un petit copain, j'ai un fiancé. I'm not a single lady, I'm not a single lady, I'm not a single lady, I'm not a single lady. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que tes amis et tes proches savent que tu fais des vidéos sur YouTube? Donc, certains oui, d'autres non. Alors, pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'il y en a que j'aurais tendance à voir plus fréquemment, plus souvent. Et en général, quand je parle, quand j'explique des choses, j'aime bien me faire comprendre. Et enfin, encore heureux, j'ai envie de dire. Mais enfin voilà, j'aurais tendance à pas mal m'expliquer. Et il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre pourquoi on se met devant un appareil à se filmer et à parler. Et dire oui, au fait, je fais des vidéos sur YouTube. Pour moi, c'est pas quelque chose qui se balance par texto. Donc certaines personnes peuvent comprendre tout de suite, d'autres non. Donc je préfère parler et dire voilà, je fais des vidéos parce que X, parce que Y, non, 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 etc. et tout. Donc voilà, si j'ai des amis, j'ai eu l'occasion de les voir pour en discuter, puis pour dire au fait, tu sais, je fais des vidéos sur YouTube parce que j'aime le maquillage, etc., machin, et puis m'expliquer, bah, ils sont au courant. S'il y a d'autres, j'ai pas eu le temps de me poser et de parler avec eux, bah, ils sont pas au courant. Mais c'est pas dans l'optique de cacher des choses ou quoi que ce soit. Ensuite, aimerais-tu pour ta chaîne être sponsorisée par des marques de cosmétiques? Ben, ma foi, pourquoi pas? Parce que j'aime bien partager. Donc, si je suis sponsorisée, je pense que je ferai plus souvent des concours ou des choses comme ça. Donc, pourquoi pas? Sais-tu parler ta langue maternelle? Si oui, nous diras-tu bonjour? Si oui, tu nous diras bonjour. Alors, en fait, ma langue maternelle, si on veut, ce serait le créole. Sauf que, enfin en créole, bonjour, ce serait bonjour. Sauf que personne en Martinique ne rentre quelque part et dit bonjour. Sauf les vieilles personnes dans les bus, quand elles rentrent, elles disent Monsieur, c'est dame, bonjour. Seulement, si c'est pas ça, ils disent pas bonjour. Ce serait plutôt et ça au fait, ou bien, enfin ouais, quelque chose dans ce goût-là, qui correspondrait plus à comment tu vas ou quoi de neuf. Enfin voilà. Ça au fait, qui ça qu'a fait, je sais pas. Ça correspondrait plus à ça. Ensuite, as-tu parlé à tes parents de ta chaîne? Non. Mais ils ont quand même été au courant. Donc après, comment, je ne sais pas. Quelle a été leur réaction? Ben, celle à laquelle je m'attendais, à savoir, arrête tes conneries de maquillage. Tu passes ton temps à faire que ça? Est-ce que tu vas vraiment à la fac tous les jours? Faut être sérieuse dans tes études. Voilà, des trucs de ce goût-là. Enfin bon. Même si j'ai des 15 et des 17, genre, quand tu fais ta petite vidéo de 8 minutes, on sent que ça t'a plombé tes 24 heures. Bref, c'est un autre débat. On m'a demandé de dire quelques mots en créole des Antilles. Donc désolée, hein, ma carte mémoire était pleine, donc j'ai dû la vider pour continuer les réponses.
Donc, on m'avait demandé quelques mots en créole, décidément, quelques mots en créole des Antilles. Donc, je pense que il y a pas de... Je pense que dire des mots comme ça ferait peut-être bizarre. Donc, j'ai plus des expressions que je dis tout le temps, du style m'en descendre, ou bien molly, ou bien la vie raide, ou bien quoi d'autre. Hein? Je dis aussi Indemoun ki red, ou bien la vie a pas facile, ou bien c'est des bagailles qui arrivaient, ou bagailles comme quoi. Enfin voilà. Donc, après je pense je vais essayer de vous mettre une bulle de texte pour que vous voyez à quoi ça correspond en gros. Parce que oui, vu que mon Windows Movie Maker plante énormément, je pense que le montage de cette vidéo sera un peu spécial, à savoir que je vais tout mettre bout à bout. Donc vous allez voir quand je vais éteindre mon appareil photo pour que ça fasse pas trop bugger mon ordinateur, etc. Enfin bon, voilà, ce sera pas le montage au top du top. Quelles sont tes marques de make-up préférées? Pour le teint, je dirais MAC. Pour les ombres à paupières, je dirais BH Cosmetics parce que ils offrent pas mal de choses, que ce soit dans les tons neutres ou dans les tons colorés à moindre coût et c'est de la bonne qualité. Sinon, il y a quand même des ombres à paupières chez MAC qui sont des purs tueries, voilà. Et pour ce qui est des rouges à lèvres, je ne sais pas, je dirais NYX ou... Je dirais NYX. Et pour les blushs, NYX, Kiko, NARS. Mais j'ai pas vraiment une marque où je me dis, oh, celle-là, c'est la mienne. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Alors en fait, moi, j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube parce que... Je vais pas dire que je faisais rien de ma vie, mais c'était... Je vais à la fac, je travaille mes cours. Je mange, je bois, je dors. Et puis, je vais à l'église. Et voilà quoi, c'était ça. Et je me suis dit... En fait, c'est pas je me suis dit, mais c'était juste ma façon à moi de partager ma passion parce que j'aime beaucoup le maquillage. Et donc voilà, c'était ma façon de dire que j'ai le droit d'exister. Que j'ai le droit de faire autre chose que de bosser mes cours. Donc vous allez vous dire pourquoi je dis que j'ai le droit, parce que bon, enfin mes parents sont assez stricts. Même si j'ai des 15, j'ai des 17, j'ai tout ce qu'on veut, c'est voilà quoi. Si je fais autre chose à part étudier mes cours, même pour aller à l'église, si j'y vais pas, oh mais faut aller à l'église. Si j'y vais, ah, écoute Soline, faut pas non plus passer tout ton temps à l'église parce que faut travailler tes cours. Attention, mince! Tu as pris 10 minutes de plus pour manger. Attention, attention, as-tu travaillé tes cours? Enfin bon, voilà. Donc, faire des vidéos, c'était parce que j'aime le maquillage, j'aime tout ce qui est relatif à la beauté. Et c'était surtout ma façon de dire, voilà quoi, j'ai le droit d'être un être humain avec des passions. Surtout que voilà, je suis pas grand-chose, je vais pas au cinéma souvent, je vais pas en boîte de nuit, je vais pas dans des soirées, des anniversaires, il n'y en a pas des masses. Enfin, voilà quoi. Donc, c'était ma façon de dire, en tout cas à moi-même, puisque j'ai pas averti mes parents que j'avais une chaîne. C'était ma façon de me dire à moi que j'avais le droit d'exister en tant que personne à part entière. Quelles sont tes passions et loisirs? Donc, j'aime beaucoup la danse. J'aime danser, j'aime chanter, j'aime manger, j'aime cuisiner. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Alors je dis passion parce que pour moi faire à manger c'est une passion quoi, je kiffe trop. Le repas c'est tellement génial, c'est grave quoi. Donc après j'aime le maquillage, d'où ma chaîne, j'aime tout ce qui est relatif à la beauté. Mais voilà, je dirais que mes grandes passions c'est la danse, la cuisine, le maquillage. Et voilà, ce serait ça. J'aime toutes les formes de danse. La danse, pour moi, c'est une forme d'art où on peut s'exprimer. Voilà, j'aime trop danser. Et
Loisir. Pour moi, un loisir, c'est quelque chose qu'on aime faire, qui est peut-être une passion, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la catégorie loisir, je dirais le chant, le dessin, le piano. Parce que j'ai fait genre 8 ans de dessin, j'ai fait du style 8 à 10 ans de piano, pareil. Ah oui, dans les passions aussi, il y a la natation, où j'ai fait de la natation pendant une bonne douzaine d'années. Enfin, j'aime plein de choses, enfin, voilà. Quels sont tes plats préférés? Mes plats préférés. Alors, en général, j'aime les plats qui sont faits maison ou qui rappellent les plats faits maison. Mais enfin, j'aime tellement manger. Je dis ça, mais mes plats préférés. Ben, je peux aimer des choses super simples et pas caloriques du tout, genre une salade où je vais mettre de la laitue, des tomates, du maïs, des concombres et puis... Je vais mettre de la ciboulette, de l'huile d'olive, du citron, un peu d'ail, du poivre, et puis du tamari, c'est une sauce soja. Et puis, enfin voilà, je vais me faire ma vinaigrette comme ça, ce sera pas calorique du tout. Autant je peux aimer me faire mon bon chili con carne maison, ou bien me dire, oh là là, je suis au mal du pays, je vais me faire un dombré crevette, ou un pain au beurre chocolat. Enfin voilà, mes plats préférés. Je dis ça, maintenant que j'ai parlé de chez moi, c'est en train de me dire que j'aurais bien mangé une fricassée de lambi. J'aime tellement le lambi. Oh là là, la foire de Paris, j'ai vu qu'il y avait le royaume du boudin sur un flyer, mais j'ai pas vu où. Ça m'a trop dégoûtée parce que j'aime trop le boudin de lambi. Enfin bon, j'aime des plats. J'aime tellement de choses. J'aime les pâtes. Donc dans mes plats préférés, il y a des plats avec des pâtes. Parce que j'aime les pâtes. J'aime les pizzas. Mais enfin, des plats préférés, j'aime tellement manger que ce serait dire tous mes plats préférés, ce serait dire carrément tout ce que j'aime manger. Donc voilà. Alors, as-tu une marque de vêtements préférée? Si oui, laquelle? Je pense que j'ai pas de marque à proprement dite que je préfère. J'aime m'habiller. Je sais pas. J'aime certains types de vêtements, genre les blouses beiges et tout, etc. Je vais en avoir peut-être 5 ou 6 dans ma garde-robe, mais j'ai pas de marque de vêtements préférée. Préfères-tu porter des vêtements de marque ou bien des sans marque? Peu importe, moi, du moment que le vêtement me plaît. Après, je dirais plus facilement des sans marque parce que bon, je suis étudiante, donc les marques en général, ça coûte cher. Donc voilà. Je pense pas en avoir vraiment. Sinon, enfin non, je m'en fiche un peu que le vêtement soit de marque ou pas, du moment que je l'aime. Mais quand même, dans les marques de vêtements que j'aime, qui sont peut-être pas mes préférées, mais que j'aime, il y a Promode, Zara, Mango. Promode, Zara, Mango. Parfois Pinky, ils ont des trucs sympas. Genre parfois ils ont des vestes, donc j'aime bien. Miss Coquine. Ah ouais, non, alors là. Ma marque de vêtements de tous les temps, si j'ai une marque de vêtements préférée, et c'est Miss Coquine. Miss Coquine, je trouve que c'est trop génial. Pour les vêtements, pour les chaussures, Miss Coquine. Donc, alors, est-ce que je préfère avoir du make-up de marque ou bien des sans marque? Pour franchement, le fait de me maquiller, je pense que je m'en fiche et que ça soit une marque ou pas de marque. Ça me fait rien du tout. Après, comme j'aime bien le côté glamour des marques, j'aime bien me dire, ouh là là, j'ai mon petit gloss Chanel. Enfin voilà. C'est juste ce côté-là, mais c'est pas parce que je trouve que c'est d'une meilleure qualité ou quoi que ce soit. C'est voilà. Le seul truc, la seule marque que je préfère porter, en tout cas au niveau de mes ongles, c'est les China Glaze. Sinon, pour le reste, je m'en fiche assez. C'est juste une question pour me dire, ouh là là, je me sens glamour, j'ai mon gloss Chanel, Dior et tout, ça me fait plaisir, mais c'est tout. Combien mets-tu d'argent par mois dans le make-up et les soins? Donc, le montant des box, hein, je dois avoir 3 box, la Little, la Glossy, la Jolie. Et après, quel montant exact ça fait? Je ne suis pas forte en calcul mental, donc je ne vais pas étaler...
en essayant de compter devant vous. Voilà, sinon après ça va dépendre parce qu'en général j'essaie d'acheter des choses en promotion, donc du style le pack de déodorant, le pack de gel douche ou voilà, des produits pour le visage aussi. Après, donc comme j'achète par lot, on va dire, il y a des mois où j'aurai pas toutes ces dépenses-là à faire, et puis il y a des mois où justement, comme j'achète par lot, ça fait que en 1 mois, je peux avoir acheté déodorant, produits pour le visage, genre lotion, crème, coton, dentifrice, brosse à dents, genre j'ai tout à racheter en même temps. Donc voilà. Après, ça dépend des mois, mais je dirais 70 euros. Ouais, je dirais ça. Mais genre en mode large. Depuis que tu es en métropole, alors, y a-t-il une ou plusieurs personnes qui te manquent et à qui tu aimerais faire une dédicace là tout de suite? À ma Marius, donc, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, c'est l'une de mes meilleures amies, donc voilà, ce serait à elle que je ferai un petit coucou parce que je la kiffe grave. Voilà. Sinon, en fait, j'ai la chance d'avoir ma cousine, avec qui je suis assez proche, qui habite pas loin de chez moi, donc voilà, enfin, les personnes qui me sont proches proches, on va dire, il y en a pas beaucoup qui sont restées en Martinique, donc voilà, il y en a pas des masses. Après, ce seront des personnes qui seront pas sur Paris, donc elles vont quand même me manquer parce que même si elles sont pas en Martinique, elles seront genre à Montpellier, à Poitiers, à Toulouse, à Lyon, à Toulon, etc. Mais bon, comme elles sont quand même en métropole, ça fait que on peut toujours se croiser parfois, de temps en temps, ou s'appeler. Mais voilà, en règle générale, non, mes amis, j'ai quand même, on garde quand même le contact, même si on ne se parle pas tous les jours ou tous les mois, on garde quand même le contact. Et voilà, il y aurait que ma Marius où je me dis, ah là là, franchement, ma Marius, elle s'appelle pas Marius, hein, elle s'appelle, enfin, je sais pas si je peux dire son prénom comme ça sur YouTube, mais en tout cas, elle s'appelle pas Marius, c'est juste parce que, enfin voilà, c'est dans le même délire que The Pretty Hus. Donc tout ça, c'est un autre débat, hein, toute l'histoire du Hus, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous le dirai dans une autre vidéo. Ensuite, vis-tu seule? Oui. Que penses-tu de la vie en France hexagonale depuis que tu y vis? Mais en fait, depuis toute petite, je suis toujours venue en France pour mes grandes vacances. Donc, c'est parfait. Quand on vient quand même pour 2 mois, on a quand même le temps de voir comment ça se passe un peu en gros. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que je pense de la vie en France? En fait, je pense qu'elle est plus facile. Pourquoi? Parce qu'en Martinique, après, je pense que ça dépend des endroits où on vit. Mais moi, même si j'habitais dans Fort-de-France, je trouve que le système des bus, quand t'as pas ton permis, tu passes ta vie à faire du stop. Et voilà, c'est pas top. Et j'aime beaucoup ce côté-là de Paris, où ben, que t'aies pas ton permis, tu peux prendre ton bus, il y en a un toutes les 2 minutes, il y a le métro toutes les 2 minutes, et voilà. Donc, ce serait seulement ça que j'aurais à dire. Parce que je suis une grande obsédée de la plage, donc, enfin, voilà. Je pense de la vie en France qu'elle est, je sais pas, normale, sauf qu'on a plus de bus, donc c'est plus génial. À quel âge es-tu arrivée? Donc, je suis arrivée à... À 18 ans, je crois. Je suis arrivée à quel âge? Je suis arrivée à 18 ans. Parce que... Alors oui, en fait, pour la petite anecdote, j'ai passé mon bac à 16 ans. J'ai fait 2 premières années de médecine que je n'ai pas eues. Et donc, après ma 2e année, je suis venue en France. Donc, j'avais 18 ans. Et en arrivant à genre 2 jours près, on m'a dit non, non, les transferts de dossier c'est mort, donc en gros prends-les là. Donc faudrait, en gros, tu es dans ton caca toute seule. Donc voilà.
Et donc, j'étais secrétaire dans une association. Et puis après, j'ai repris la fac, hein, l'année d'après où j'ai pu m'inscrire à la fac. As-tu des frères et sœurs? Non. Tes proches savent-ils que tu as une chaîne YouTube? Certains oui, d'autres non. Quelles études fais-tu? Je suis en licence d'économie en deuxième année. Alors pourquoi et comment as-tu choisi ces études? Alors j'ai passé un bac S. Donc comme je viens de vous le dire, j'ai fait 2 fois la première année de médecine que je n'ai pas eue. Comment j'ai choisi l'économie? Alors tout simplement pour un truc assez bête, je dirais, à savoir que la médecine, ça m'a grave traumatisée. Je me suis dit... Donc alors, j'étais en train de vous dire comment j'ai choisi l'économie. Donc alors, tout simplement, comme je disais, j'étais grave traumatisée par la médecine. Et je me suis dit, oh là là, je vais pas continuer à faire des trucs genre scientifiques, j'en ai marre. Non. Et en même temps, je me suis dit, vu que j'ai pas passé de bac L, il y a plein de livres que j'ai pas lus. Et donc, je me suis dit, allez me mettre en première année de fac en littéraire, je serais grave pénalisée par rapport aux autres. Donc, même si j'ai toujours été super forte en français, je me suis dit, non, j'ai pas envie de me lancer dedans. Donc, je me suis dit, oulala, entre l'économie et. Pas entre l'économie, entre les scientifiques et les littéraires, il y a l'économie. Alors, bingo, voilà, Céline, tu vas faire de l'économie. Donc, je me suis mise en économie, même si je n'avais jamais fait d'économie. Donc pour ceux qui en ont fait un peu, voilà, vous pouvez savoir que je me suis sentie très seule quand tout le monde trouvait logique, enfin quand tout le monde savait qui était Smith, Ricardo, les classiques, etc. Et que moi je me disais, mince, on vient de dire Smith, mais il parle de quelqu'un ou d'une théorie? C'est de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce une chose ou une personne? Donc enfin bon, voilà. Donc voilà les filles, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo réponse à ma foire aux questions. Bon, donc oui, hein, j'ai raconté quand même pas mal de choses, hein, en mode 36-15, je raconte ma life. Mais bon, c'est un petit peu le but, hein, dans une réponse de foire aux questions. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Et bon, après, ce sera une vidéo hyper longue, hein, donc je vais quand même essayer de faire 2-3 montages, histoire de... Mais donc, bon, voilà. En tout cas, j'espère que le tout vous aura plu, que vous aurez apprécié, ben, le fait que je me sois lâché les cheveux, puisque vous m'avez grave dit, oh là là, lâche-toi tes cheveux, ça serait trop joli, gna gna gna, machin. Donc, voilà. J'espère que vous aimez, hein, tout simplement. Et je vous invite à me rejoindre sur Facebook. Parce que sur Facebook, il se passe plein de trucs. Genre, quand je me fais ma coiffure, ben, vous aurez la photo. Si je ne fais pas de tuto, vous aurez des photos et tout. Ou bien, je ne sais pas, si je m'ennuie, je vais dire, oulala, je suis en train de m'ennuyer. Ou bien, je ne sais pas, que je me suis acheté du chocolat. Ou voilà. Donc, je vous invite vivement à me rejoindre sur Facebook. Donc, en tout cas, voilà les filles. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Keep it moving.